Alors cette fois, on s'est pas trompé, on a bien la résolution 1.5 d'Asgard Rush dans l'Oculus Home. Et on a la résolution donc à 100% et non pas boostée cette fois-ci. Et nous voici donc à la taverne des dieux, encore une fois, pour constater que ça tourne comme de la merde. Alors, on va vite faire le tour. Raymania. Alors, elle est bourrée en fait, mais il n'y a rien. Elle était tellement bourrée qu'il n'y avait rien dans ta shop. On peut constater que ça fait mal, mais ça fait moins mal qu'avec le. Oh, quoique. Avec le super sampling intégré au jeu à 120, tout en étant à la résolution max, donc en 72 Hz. Du coup, S2, bah, c'est vraiment pas folichon. On va vite se barrer de là. Pour pas faire un tour, on va voir tout de suite la dame avec le singe. Des biens rares de contrées lointaines. Si tu as de l'argent, je Forgeron, t'écoute. sans blague. La forge des fruits et de la bouffe. Voilà. Oh, ça fait mal là. J'ai mal à mon à mes En avant, FPS. pars accomplir ta quête. Alors. Ouais, attends une seconde. Tant pis. C'est moi que tu cherches? Non, c'est la fluidité. Ouais, attends une seconde. Ouf, elle était pas là, rien. Alors, tu as envie de tenter ta chance? Bon, ben voilà, on aura vu l'effet du super sampling au max dans l'Oculus et malheureusement. Et heureusement, malheureusement, les paramètres à 100 uniquement en termes de résolution in-game. Carte du monde. Regarde. Donc là, ça va quand même beaucoup mieux se passer puisqu'on n'est plus dans la zone divine du gobage d'avalage d'images par seconde et de diffusion de millisecondes à profusion. Ah ouais. J'étais vraiment direction. Allez, c'est parti, hein, Oculus 1.5 avec résolution 100%. On va torcher le tout, histoire de... Oh, d'en finir une fois pour toutes avec Asgard Rush sur PS2. Des ennemis à la hauteur. J'abreuverai la terre du sang des serviteurs de tir. On va monter et... On va ensuite faire un tour sur la plage, ou la côte plutôt, parce que c'est une triste plage. Bon, on va bien avoir 3 ou 4 gus qui vont sortir, personne. Ah, un guerrier. Je tape dans le vide, c'est énorme. What the fuck? Mauvaise direction.
Pas encore la crise au niveau performance, mais c'est pas génial. J'oublie à chaque fois de faire la vue divine. On va faire un rapide 360. Voilà qui est chose faite. Et on se dirige vers la zone du naufrage. C'est tout ce dont vous êtes capable. On va attendre qu'il ait tout chargé. Oui, aïe, aïe. Alors là, c'est carrément là. La zone de l'écran noir. Et il me semble pas en fait qu'avec les 1.5 et les 120% ça avait fait ça. Alors c'est relativement propre hein, pour le monsieur qui est au loin, là on arrive quand même à bien distinguer sa silhouette. C'est ma route. Et là il y a personne. Bon bah voilà, ça va être très court. Hein. Ça va être très court. Donc on va faire une vue divine. Donc, toujours 1.5, résolution in-game 100%. Sur Oculus Quest 2 et une RTX 3080. Ah non, c'était là en vue divine où je voulais aller. Ouais, voilà, il y a vraiment la zone de loading de la mort. Bon, voilà, hop, finitos. Voilà. Donc après une journée entière de perdu grâce à la GeForce Experience qui ne voulait plus enregistrer le son, nous voici donc en 1.5 réglage Oculus et normalement, si ça ne s'est pas perdu, 120% également en résolution dans les paramètres du jeu. Ok, donc on va aller à la plage. À la plage, putain, je l'aime bien cette plage, mais c'est pas une plage, c'est la côte. Voilà, la côte, merci. C'est pas la côte de bœuf. Quoi qu'on va, ça va trancher sa mère. Et il y a les bestiaux, mais bon, à part ça. Allez, hop, on va trancher. Voilà. Et donc là, on a tout à ce malin qui va arriver. Pour se prendre des coups de... Oula. Voilà, des coups d'épée, je voulais dire. Alors, encore quelques combats. Enfin, des ennemis à la hauteur. Oui, j'ai retrouvé des... avides de combat, de sang pourri, de macabées, qui veulent manger du vivant.
Voilà. Bon, la dernière fois, ils étaient 8, 10, et ils n'arrêtaient pas de sortir. Tout va bien. Ouf. Alors, là, on va faire un petit 180. Pour l'instant, ça tient la route. Pas de souci. On va passer en mode divin. Et en mode divin, ça coince un peu. On est passé en reprojection, on est à 36 images. Donc, oui, et puis il y a ça en fait. Dès qu'on a des interactions avec le décor, ou plutôt les animaux, c'est pas génial. Tiens, requin. Oh, génial, c'est la première fois que je vois ça. Hop, c'est pas re-téléporté. Et ça rame un peu là, c'est quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Donc là, on va arriver dans la zone de la mort. Donc, tout doit disparaître, surtout les images par seconde. Ok, bon. On va partir le plus rapidement possible de l'autre côté. Oup, op, op. C'était mon... Ouais, c'était ma hache, ok. Donc toujours aussi dégueulasse les textures, hein, on se croirait sur PS1. Uniquement au niveau du mur en fait, qui fait face à l'échelle. Alors là, ça c'est pas lu. La lecture en fait de la texture ne s'est pas faite, ça s'est pas chargé. Puisque là en fait on est en mode voxel, voilà. On joue à Comanche en 1985. Le jeu a quelques petits soucis. Allez, enfin, des ennemis à la hauteur. Voilà. C'était vachement à la hauteur. C'est tout ce dont vous êtes capable. Mal. Elle se rend compte effectivement qu'elle était quand même. Elle usait de superlatifs par rapport à ses adversaires en carton. Donc là on est en 36, puis maintenant en 72 images par seconde, voire un peu moins. Ok. Ça doit être encore le temps de chargement, les textures. Vous avez croisé ma route. Non mais il veut pas mourir en plus. Il regarde bien dans les yeux. Voilà. Bon, on laisse tomber. On laisse tomber au propre comme au figuré son épée. Au lieu de la ranger. Ah, j'ai que le hâte, c'est de terminer cette vidéo. Qui aura duré 24 heures. Donc là, une zone de chargement encore, je présume. Je me suis pas mis en mode divin ici. Ouais, allez. Donc la zone est quand même plus réduite. Que de l'autre côté de la falaise. De loin les flammes sont réussies, mais de près, enfin, en mode subjectif, c'est pas l'extase. Et ça rame, rame, rame. Ah. Véritable soldat. Et là, Bobonne en fait arrête une fois parce qu'elle est contente de les rencontrer. Et voilà, le tour de circuit s'est terminé. Et dire qu'il va falloir que je recommence tout ça avec le G2. Allez hop, on s'en va. Non, j'ai pas fait la taverne de machin là. Oh non, oh mince, faut que j'aille voir le lieu qui rame. Asgard, allez-y. Ouais, j'ai pas fait la taverne.
Bon, par contre, là, de près, là, la porte, franchement, au niveau des textures et l'aliasing à fond de partout, c'est beautiful. C'est super sampling à gogo. Par contre, là... ouf. Encore une fois, ça a été terrible. Je vais faire le test de la bouteille. Voilà, je vais me promener avec. Tiens, j'ai repris le... Hop. Ouais, quoi. Là, ça tambourine à mort. Tu veux faire mourir ta carte graphique. Attends, regarde. Hey. Ah non, ça marche pas. Donc, l'arrière boutique, on y va, on rentre. Des biens rares de contrées lointaines. Si tu as de l'argent, je t'écoute. Oh là 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 là, c'est la fin du monde. C'est le Ragnarok, la fluidité. Vous attendez ça? On va tous mourir. À 5 images par seconde. Ouais, attends une seconde. C'est ça, mon gros. Crapaud, comment ça va? C'est moi que tu cherches. T'as la peine les bouteilles. Ouais, attends une seconde. Aïe, 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 aïe. Alors, tu as envie de tenter ta chance? Aucune chance avec une rémanence et un... Ah, ça y est, un framerate aussi, chaotique. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut appeler son assurance, vous affolez vos FPS, bah, monsieur. Oh. La gloire n'attend que toi. Oh là là. Ok, vite, on va éteindre ça, comme ça on va sauver notre carte graphique, qui doit être en feu. Allez, on quitte. Et j'espère que ça a bien enregistré.